Ce fut une soirée abracadabrantesque. Alors que les téléspectateurs ont l'habitude de voir les candidats verser des larmes lorsqu'ils remportent le micro d'argent, cette fois-ci l'émotion était au rendez-vous dans N'oubliez pas les paroles, mais pour un tout autre sujet. Ce jeudi 27 octobre 2022, Lucille doit retrouver les paroles de la chanson Je te le dis quand même de Patrick Bruel. Malheureusement pour elle, Cruella, impitoyable, a tenu à rectifier les mots prononcés par la jeune femme. Elle a dit mais je te dis quand même et il fallait dire mais je te le dis quand même. Un petit L apostrophe en moins, a-t-elle indiqué. Mais la candidate était sûre de bien avoir prononcé la lettre, alors peut-être que je le mange un, mais je suis sûre que je le dis, a lancé Lucille. Pour mettre un terme à ce match, Nagui a dû trancher, nous on ne l'a pas entendu, si est-il ça la grosse différence. Une décision qui a bouleversé Lucille qui s'est alors mise à pleurer à chaudes larmes, pour expliquer l'émotion et les larmes de Lucille, en fait, il y a eu tout un débat qui a pris beaucoup de temps. On va tout vous dire, on s'est même arrêté dans l'émission pour réécouter, a-t-il expliqué. Si la candidate était intimement convaincue de ne pas s'être trompée, les personnes ayant réécouté sa prestation, même uniquement la voix sans musique, n'ont pas entendu le fameux L manquant. Nagui, je ne mets absolument pas en doute ta sincérité. Nagui est ainsi très peiné pour Lucille, donc la grosse différence, et peut-être même le sentiment d'injustice de Lucille, si est-il de dire, je sais, je sens, je l'ai dans la tête le fameux L, je l'ai dit. Je ne mets absolument pas en doute ta sincérité comme je ne peux pas mettre en doute le nombre de paires d'oreilles qui se sont jetées sur cet extrait et qui n'entendent pas le L. Mais malheureusement, Lucille a bel et bien perdu.